Alors, oui, Finn, comme tu as une grosse voix, Sandrine, j'ai entendu que c'était la dernière aventure. Oui. Aïe, aïe, aïe. Non, une petite voix mignonne. Mm-hmm. Loïc, regarde, jette un œil, ça. Ça te pourrait éventuellement faire penser à quoi? Ah, on dirait quasiment un vieux gréement. Un vieux gréement. Des drisses, et des bouts, des ficelles. Alors, c'est joli tout ça. Quand vous montez au mât, qu'il se passe quelque chose de pas terrible, il faut aller décrocher une voile. En général, le mât bouge en plus, c'est ça le problème. Ouais. Bah, ça va être un peu ça, hein. Alors, j'ai besoin de trois d'entre vous qui seront dans l'ode. Eric, ouais. Eva et Dimitri. Oui, oui, oui. Et tu es concerné quand même. Oui, bien sûr. Donc. Allez, venez, nous, on va se mettre à côté. Écoute bien. Oui. Tu vas te balancer. Dès que tu seras parti, tu fais le cochon pendu. Et là-dessus, tu te lances. Tu essayes d'attraper les mains du vieux marin qui est là, tu vois, le vieux boucanier, là. Et l'indice, c'est sur son bras. Si par hasard, tu n'y arrives pas, tu sautes dans le filet, tu remontes vite là. Ouais. Eva prend la suite. Et ainsi de suite, dans le temps qui doit t'apporter, qui est environ de 3h30. OK? Vous avez bien compris? Il faut s'accrocher. Il peut m'en aller. Il pouvait vous en aller. Il m'en va et je vais faire une vraie sortie. Face aux sorties de Patrice Lafont. Et nous, on va par là. Venez. Loïc, oui. Les autres candidats, venez avec moi en attendant. Ah oui, c'est pas mal ça. Il a un seul indice sur son bras, sur l'un des bras. Ah oui. D'accord. Lisible quand on est à l'envers? Lisible quand on est à l'envers, bien sûr. Bien sûr. Ok. Donc, il faut choisir le bon moment pour partir, là. Tu aurais eu peur de faire ça, Loïc? Non, ça m'aurait intéressé. Peur, peut-être, mais intéressant. Eric, pour toi, il n'y a pas de problème, là, a priori. Non, ça devrait aller. Est-ce que tu as le vertige un peu? Ce que je voudrais pas, c'est le louper. Oui, exactement. Le vertige. Il faut que tu choisisses le moment de départ, là. Ça va être... retour, hop, là. Garde tes chaussures. Ouais, ouais, c'est bon. Eric, lâche-toi dans le filet. Très bien, remonte assez vite. Alors, allez. Eva, tu te prépares? Allez. Tu viens nous rejoindre, Eric, dès que tu es en haut de la corde. Ah, venez là, Philippe, Nathalie, venez avec nous. Je vous expliquer ce qui se passe. L'indice est sur le bras du vieux briscard qui est en face, voyez. Donc en fait, il faut s'élancer. Lorsqu'on est dans le vide, lorsqu'on est parti, au moment où on est comment on peut dire, cochon pendu. Oui. Une sorte de cochon pendu. Il faut lâcher le bras et se laisser accrocher par le vieux marin qui est en face. Et l'indice, tu vois, est inscrit sur son bras. Alors, Eric a raté. Eric, viens nous raconter ici pourquoi tu as raté. Moi, je pensais qu'il y avait, j'avais un autre aller avant d'aller mettre les mains. Alors, Eva, tu as vu que tu n'as qu'un seul aller, hein? Ouais, mais en plus, c'est bien de le dire parce que Dim pensait aussi. Alors, dis-le, Eva. Eva, c'est tout de suite après. Tu fais un aller, tu te mets un cochon pendu et tout de suite après, hein, au deuxième retour. Non, Eva, elle n'a pas bien écarté ses bras. Hein. Allez, c'est maintenant, Eva. Lâche tes bras. Lis l'indice. Tu lis l'indice, Eva. Position. Pardon? Position. 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 Alors, est-ce que vous avez une idée? Bravo, Eva. Bravo, Eva. Avant qu'on aille vers la salle de trésor. Oui, on est bon. Attendez, on récapitule. On récapitule. Vous avez. On a action. Voix, action. Position. Coup. Coup de feu, parfait. Coup de feu. Dans le feu de l'action, feu de position et le bois, ça fait du feu. Feu, vous l'avez trouvé en courant tout à l'heure? En montant. Mais tout le monde a un petit peu ramené son idée, c'est pas mal ça. Feu? Ah oui, je crois. C'est ce à quoi vous pensez? Vous allez vers aucun sacrifice? Aucun sacrifice. Bah, de toute façon, moi j'ai pas de. Royal. Allez. Allez, on y va. Vite.